Et bonjour aussi, comment est-ce que comment allez-vous pour la passation aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui s'appelle Clannad, que vous connaissez peut-être pas. C'est un manga assez connu d'un monde, de là il y a de la romance, il y a de la tristesse, surtout beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions dans ce manga, mais je vous conseille d'aller voir. Je vous mettrai une petite description. Les saisons 1, la saison 1 est sur YouTube, la saison 2 pour regarder sur... sur un site, voilà, je vais chercher un deuxième site pour la saison 2 et je mettrai le lien dans la description, c'est comme ça vous pouvez voir la saison 1, la saison 2 et plus qu'il y a un film, voilà. Alors Clannad, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de romance avec plusieurs personnages féminines et deux mecs avec plusieurs personnages de filles. Bon, j'arrête de parler, ça fait trop comme une intro et voilà. Bon, c'est parti. Yeah. Je déteste cette ville. Parce que c'est un endroit attaché à ce souvenir que je veux oublier. Tous les jours, y aller à l'école, parler avec des amis, puis rentrer à une maison que je n'aime pas. Rien de nouveau ne se passe jamais. Je me demande si quelque chose changera comme ça. Je me demande si un jour ma vie serait différente. La croissance d'un tas naturel et de l'école, le tissu du chemin autour des collines menace l'école. Je me demande à quel point je serais agréable de fréquenter l'école où je pouvais niveler les collines. Si je pouvais prendre un chemin direct réduit à la probabilité de mon temps de marche 20 minutes, un jour 20 minutes. Donc combien de temps économiserais-je en année? Je fais des calculs en tout en marchant. Ah ah, je ne sais pas. Il n'y a pas d'autres étudiants de mon école autour de moi. Normalement, on devrait avoir plein de chemins principaux pour aller à l'école. Mais ce n'est pas comme si aujourd'hui elle était un jour sans école ou quoi que ce soit. Ce qui signifie que maintenant on n'est pas en bon moment pour aller à l'école. Même avec une telle scène, on a vu, j'ai continué à marcher sans hâte en direction de l'école. 200 mètres avant que j'atteigne le portail de l'école, je m'arrête un peu. Soupir. Reprenant mon souffle, je lève les yeux au ciel. Et attention. Alors c'est présenté par Kay. Voilà. Le portail de l'école est juste devant. Qui a décidé de mettre le portail tout là-bas? C'est un long route s'étend tel un cauchemar. Soupir. C'est un souffle différent du mien. Plus léger, plus doux. Regarde à côté de moi. Alors, je regarde à côté de moi. Waouh, une jolie fille. Il y a une étudiante. Arrêtez tout comme moi. Je veux dire que c'est un terminal de pas couleur de son badge. Elle n'est pas quelqu'un que je connais. Ses cheveux courts flottent dans le vent juste au-dessus de ses épaules. Elle a l'air d'être sur le point de pleurer. Et injuste habituellement pas les gens de par leur apparence. Mais par l'air, elle est très honnête. Ça doit être le type de fille serait trop timide pour entrer dans la salle de classe tout seul. Ok, ok. La fille a dit ok, ok. Elle ferme ses yeux, hausse la tête, répétition à plusieurs instants comme elle sait, elle voulait dire quelque chose. La fille a réfléchi, puis a rouvert ses yeux. Elle regarde le grand portail à l'école d'un œil fermé. Aimes-tu cette école? Telle est la question. Non. Je ne demandais pas à ça. Elle parlait à quelqu'un dans son cœur. Je me demande quel genre de réponse elle a obtenue de lui. Ou peut-être d'elle. Je l'aime vraiment. Vraiment beaucoup. La fille se dit. Mais rien ne peut rester pareil pour toujours. C'est mignon quand même. Ce qu'elle a dit. La même chose amusante, les mêmes choses heureuses. Rien. Rien ne reste comme il est pour toujours. Avec une grande difficulté à continuer à parler. Malgré que peux-tu encore aimer cet endroit? Malgré ça, tu peux encore aimer cet endroit. Tu as juste à les trouver, non? Tu as juste à les trouver? Surprise, elle m'en regarda. Comme si elle avait cru qu'elle était seule jusqu'à maintenant. Non? Elle était juste à trouver les prochaines choses amusantes ou heureuses, non? Il n'y en a pas qu'une seule chose que tu trouves amusante, n'est-ce pas? Elle fait... C'est vrai. Il y a eu des moments où nous étions si innocents et naïfs. C'est une phrase dans laquelle tout le monde passe. Allez, on y va.
Ah voilà, celle que vous avez vue s'appelle Nagisa. Voilà, c'est le jeu du manga que je vous ai parlé, qui est vraiment super bien, je vous conseille. Alors, le jeu est en japonais, il est en anglais, mais il y a on va dire un youtubeur français, il a traduit ce jeu-là en version française. Je vous mettrai le lien dans la description, il y a le patch en version française et tout. Sonorara, le professeur a appelé le nom d'un étudiant. Absent, comme d'habitude. Je jette un coup d'œil à côté de moi, à la place de Sonohara. Son nombre d'absences est encore pire. Nous sommes seuls, étudiants dans la classe, étant souvenir désigné comme un délinquant. Je suppose c'est pourquoi que nous sommes entendons bien. Aussi, il est la seule personne que je puisse vraiment librement. Voilà comment est-ce vraiment. Le cours a commencé. Je passe un passe-temps à regarder par la fenêtre, ignorer tout ce que le professeur a dit. Le cours est fini, l'école est terminée. Ce soir ne s'est pas montré du tout. Au final, la seule personne qui a pu en parler aujourd'hui, c'était la fille de ce matin. Aujourd'hui n'est pas différent des autres jours. Ne fais pas partie d'un club, je prends mes sacs vides, je sors de la salle de classe tandis que les autres étudiants discutent. Excusez-moi, j'ai roté. Même si je rentre à la maison, il n'y aura personne en ce moment. Je n'ai pas de mère, pour commencer. Elle est morte dans un accident de la route. Quand j'étais jeune, je me souviens même pas de son visage. Mon père a été laissé derrière, sombre dans la dépression, probablement affecté par le choc de sa mort. Il sortait, buvait en libre, passait son temps à jouer ou des jeux à des paris. Mon enfance entière a été gaspillée en me battant pour lui. Mais après certains accidents, notre relation a changé. Il est devenu violent et m'a blessé. Depuis ce jour, mon père a gardé ses pensées pour lui. Puis sur le lieu, il m'a appelé de manière normale, à commencer par m'appeler Tomoyake, avec que, à la fin, mais comme si j'étais un étranger, sans aucun doute, m'a fait sortir de mon apparenté, et comme elle était enfermée dans mon coquillage, comme un point dans le temps sépare de présent du passé. Ça aurait été mieux, il m'avait juste complètement ignoré. S'il se préoccupait assez de moi pour me faire du mal, il aurait encore de l'espoir. Mais maintenant, si ça se voit, il arrivait à la maison, il souriait comme il voyait un bête de la vie. Ah, je sais plus quand la fois. Il me causait tellement de peine et que je pouvais plus supporter. Je précipitais hors de la maison. Donc, enfin, de l'éviter, j'ai vécu ma vie en ne revenant pas à la maison, mais avant très tard, la nuit, après que je sois endormi. Je vais dormir à l'aube, je me réveille vers midi. Depuis que je suis entré au lycée, j'ai toujours été en retard. C'est comme ça depuis 3 ans. Ah, c'est depuis 3 ans et en terminale. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai changé mes vêtements. Je suis sorti avant que mon père n'arrive à la maison. Et je suis devenu mon habitué. Je suis en train de... Je me traîne dans la ville dans la nuit. Je finis d'aller au même endroit à la fin de la journée. J'achète mon dîner à l'épicerie de quartier. Avec ça, en chemin, je dirais vers un dortoir des étudiants là-bas à la pointe de l'école. L'école favorise effectivement l'activité de l'école. Il y a donc beaucoup d'étudiants ici, passant leurs 3 années ici loin de leurs parents. Ils sont très différents d'une personne qui vit sur la vie scolaire sans aucun rêve, comme moi. Il n'y a aucun rapport avec le club, que ce soit ou soit, mais ici, Sonora. Sonora est entré dans cette école pour le sport, qui faisait partie de l'équipe de foot. Mais pendant 5 secondes, il mêlait à une grosse bagarre. L'étudiante d'une autre école a été suspendue et a été un joueur irrégulier. Et puis, après son année en seconde, il a perdu sa place dans l'équipe. Il pourra rien faire à la part de la partie. Étant donné qu'il ne pouvait pas vraiment déménager à un autre endroit, il finit par rester dans son dortoir qui est réservé pour les étudiants au club de sport. Bon les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, abonnez-vous sur la chaîne, suivez-moi sur Twitter, le lien sera dans la description pour le jeu. Ceux qui connaissent le manga, voilà, ils vont savoir si c'est de la romance. Il y aura l'épisode 2 bientôt, cette série sera en 2 épisodes. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, abonnez-vous sur la chaîne, suivez-moi sur Twitter. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Ça t'a plu? Alors abonne-toi et découvre d'autres vidéos.